Ah oui, mais le grand souvenir de Youssouf Mohamed me rappelle après l'élection 83, l'alliance qui est cassée avec Travailliste et Kamassem, ça cambolait, qui est révoqué. Et si c'est un quelques députés dans les groupes travaillistes qui sont jeunes, ça cambolait, qui viennent avec lui dans les moments bien difficiles, que moi, je suis secrétaire général du Parti Travailliste, c'est nos camarades. Youssouf Mohamed, le Chivini, dans les moments bien, bien difficiles. Et me rappelle, ça, à l'époque-là, parti travailliste, qui passe par un moment bien difficile, que la plupart sont des députés, ou presque tous sont des députés, à l'exception des Sassad Kamboulel, de qui reste avec le gouvernement, de qui forme un parti appelé RMM, RTM, ou quoi, oui, RTM. C'est camarade Youssouf, pour donner un boost au parti travailliste. Ils organisent un meeting national à pleine verte. Et à travers Maurice, partout, ils viennent, ils collent l'affiche, font collent l'affiche, et moi, je participe dans ce meeting-là. Et ils viendraient sur une autre ligne de les partis, dans un moment bien, bien difficile. Et encore, ce qui est arrivé quand ça, c'est Sangar Amgoulam est décédé, ça joue là, c'est ça de Kamboulel comme leader parti, malheureusement, du parti Maurice, du Sud-Afrique, c'est dans la grève avion. Alors, il va tirer ses vinatons. Et à cette époque-là, camarade Youssouf, comme président, vice-président parti, il assume ce rôle pleinement. C'est un moment difficile-là. Et après ça, il y a plusieurs petites choses qui m'ont encore rappelé dans mon moment difficile. Quand il finit d'être départi, il tire ça avec nous. Et ça finit jusqu'à 1987, quand maman m'a quitte les partis, nous formons nous partis, MDD, camarade Youssouf, tu es ensemble avec nous. Tu es ensemble avec nous, tu faisais ce rôle bien. Et voilà, un événement qui me rappelle. Mais tout le temps, nous tenons très bonne relation avec lui. Et tout le temps, continuons pour lutter, continuons pour la guerre. En faveur des partis, jamais les refuser.